chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il est venu partager notre sort en être humain sans jamais faire de tort. Il est unique par sa vie et sa mort. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur et voir un point capital, combien il est important de tout confier dans les mains de notre Seigneur. Je voudrais vous dire que le Seigneur voudrait parler à notre cœur encore aujourd'hui et nous rappeler que tout peut changer par la grâce et par la puissance de notre Dieu. Il y a des situations qui sont les plus désespérées. Mais nous avons un Dieu qui tient tout entre ses mains. Le Seigneur est un Dieu tout puissant. Et pour réaliser cela, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 26. La lecture sera un peu longue, mais combien instructive. Jésus et les disciples, ils abordèrent dans le pays des Gérasséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. »
et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Chéraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Amen. On va s'arrêter là dans notre lecture. Nous avons un Seigneur merveilleux qui nous montre que dans bien des domaines, il faudrait dans notre vie que les choses puissent se transformer. Il faudrait que les choses aillent autrement. Dans notre société, on veut toujours que ce soit les choses, les autres qui changent, que ce soit les événements, les circonstances, les situations qui changent. Mais ici, il nous est rappelé combien il est important que ce ne soit pas les autres qui changent, mais qu'il y ait une transformation, un changement qui s'opère dans notre vie. Il est important pour cet homme qui était là dans ses liens, qui avait ses passions, qui avait ses vices, qui avait ses fautes, qui avait ses erreurs. Il était important que ce ne soit pas la société qui change autour de lui, ce ne soit pas les personnes de sa famille qui changent, mais il avait besoin d'une transformation, d'une délivrance, d'un changement total et complet dans sa vie. Alors, il est évident qu'on ne peut pas dire quel est le point faible de votre cœur, de votre vie. Mais vous avez très certainement quelque chose qui devrait aller différemment dans votre cœur, dans votre façon d'être. Aussi, de temps en temps, prenons-nous peut-être de bonnes résolutions en disant « voilà, je vais changer. Dans tel domaine, je ne ferai plus telle chose. Je dois absolument changer. » Et on fait ses efforts, mais les bonnes résolutions ne sont pas suffisantes. Sincèrement, croyez-vous qu'un homme puisse changer totalement? En fin de compte, l'homme est incapable de faire ce qui est bien quand il est accoutumé à faire ce qui est mal. La parole de Dieu le dit avec un réalisme brutal. Dans Jérémie 13, 23, il dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal ?» Alors il est vrai que le monde abonde en leçons de morale. On abonde en bonnes résolutions. Mais aucun être humain ne peut changer de lui-même. Et ça, c'est une réalité, aussi dure soit-elle. Peut-être est-ce votre cas. Et vous savez pertinemment que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses à changer. Tout n'est pas comme il faudrait être. Et vous vous demandez, mais que faire ? Je suis incapable de changer. Et c'est juste, parce que l'impudique ne peut pas avoir un cœur pur par lui-même. Le menteur, celui qui est accoutumé à cela, ne peut pas dire la vérité. Et le voleur ne peut pas devenir honnête de lui-même. Le mal est ancré dans son cœur. Le mal est au plus profond de nous-mêmes. Vous vous connaissez mieux que je ne puisse vous connaître, mais Dieu le sait. Il peut vous montrer ce qui est nécessaire de changer. Le Seigneur nous présente là une vérité bouleversante. Il nous adresse un message inouï. Le Seigneur est le Dieu vivant et vrai. Et il envoyait quelqu'un dans ce monde qui peut transformer votre cœur. Il envoyait quelqu'un dans ce monde qui peut changer toute votre vie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Et il peut vous rappeler en faisant cette lecture que tout peut changer dans votre vie.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous donner une espérance. Et Jésus fait cette déclaration merveilleuse. Voici, je fais toute chose nouvelle dans Apocalypse 21:5. Et le Seigneur fait toute chose nouvelle dans votre cœur. Il est celui qui règne dans le ciel et sur la terre. Il est celui qui domine sur toute chose. Il nous est rappelé dans ce passage de l'Écriture que même les démons lui sont soumis. Et il n'y a rien qui se fait sans la volonté de notre Dieu. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut vous dire qu'il va faire quelque chose de nouveau dans votre cœur. Jésus seul peut changer l'être humain, peut changer le cœur de l'homme. Vous avez peut-être connu des personnes qui étaient prises dans l'alcool. Jésus est celui qui délivre également. Il y a ceux qui sont pris dans la drogue et Jésus est celui qui libère. Il y a des hommes violents qui sont devenus doux, des impudiques qui sont devenus purs. Il y a une délivrance que Dieu peut apporter et Jésus est celui qui transforme les vies. Jésus est là et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est une réalité. Alors on peut dire, mais comment cela peut-il se faire? Parce que nous avons fait beaucoup de choses. Certains pourraient dire, j'ai fait des cures de désintoxication. D'autres pourraient dire, j'ai été voir un psychiatre, un psychologue. Ça m'a apporté un soulagement, mais est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce que ça a changé le cœur en profondeur? Alors j'ai eu un mieux pendant un temps et je suis retombé, dira quelqu'un. Et on pourrait dire, mais comment cela se fait-il? J'ai fait des efforts, j'ai été voir des spécialistes, j'ai pris des traitements, mais après tant et tant de jours et de mois, peut-être d'années, je suis retombé. Alors le Seigneur nous rappelle, il nous dit, c'est vrai, aux hommes, c'est impossible de changer, malgré toutes les bonnes décisions, les bonnes résolutions, malgré tout ce que l'on peut penser, faire et dire. Parce que nous sommes si fragiles. Et Jésus dira dans Matthieu 19, 26, Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Tout est possible à notre Dieu. Vous avez besoin du Seigneur Jésus. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas une religion, ni une appartenance à une quelconque organisation. Mais ce que vous avez besoin, c'est du Sauveur, Jésus, qui est vivant, qui a donné sa vie pour vous. Il est mort, mais il est ressuscité, et Jésus est vivant pour vous secourir. Celui qui a délivré cet homme, c'est Jésus. Il domine sur toute chose. Nous l'avons dit il y a un instant, que les démons même lui sont soumis. Et Jésus est là, et vous pouvez faire appel à lui aujourd'hui même, et lui avouer toute la misère de votre vie, toute la faiblesse de votre cœur, toutes vos chutes, tous les efforts que vous avez faits et toutes les chutes que vous avez eues. Voilà l'extraordinaire message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus est là, il est la réponse à tous nos besoins. Et aujourd'hui, tout peut changer dans votre cœur, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre être. Le voulez-vous? C'est ça qui est important, le voulez-vous? Chaque jour, vous avez les mêmes situations, les mêmes choses, les mêmes cercles de votre vie qui reviennent, les mêmes péchés, les mêmes détresses, la même impiété, le même désespoir qui est au fond de votre cœur. Et quelle est la cause de la souffrance de votre cœur? Dieu la connaît. Moi, personnellement, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Il y a tout près de vous, Jésus. Et je crois que c'est un privilège de pouvoir saisir par la foi que Jésus se tient près de vous. Il est tout près de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est là à vos côtés. Il vient pour vous secourir et pour vous bénir. Il y a des personnes qui disent « j'ai eu de la chance ». Lorsque cet homme était dans sa misère, lié par des chaînes, lorsqu'il marchait dans les sépulcres, et Jésus est arrivé sur son territoire, sur son terrain de souffrance et de misère. Cet homme n'a pas eu de la chance. Il a rencontré une personne
il a rencontré Jésus. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de la chance. Le Seigneur s'est approché sur votre terrain de désolation, sur votre terrain de votre misère. Et Jésus s'approche. Et vous avez plus que de la chance. Vous avez la présence du Fils de Dieu qui se tient près de vous pour vous bénir et pour vous secourir. C'est autre chose. C'est Jésus. Jésus est mort pour vous sur la croix. Si Dieu a laissé mourir son Fils d'une mort aussi cruelle, c'est que le Seigneur avait une raison à cela. Même si pour le moment, elle vous échappe. Combien il est important de contempler alors l'agonie du Sauveur en croix pour vous. Et doit y avoir un sens, et réaliser qu'il doit y avoir un sens à la mort de Jésus. Vous ne pouvez donc pas passer à côté sans essayer de comprendre ce qui se passe à la croix du calvaire. Pourquoi Jésus est mort sur la croix du calvaire? Pourquoi le Fils de Dieu est mort? Et pourquoi Jésus est ressuscité le troisième jour? Pourquoi Jésus est descendu au tombeau et qu'il en est sorti vivant? Eh bien, tout simplement, le Seigneur voudrait vous rappeler que de Jésus émane un courant libérateur. Et le Seigneur le dira, si le Fils de Dieu vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus est celui qui peut vous libérer. Il peut transformer votre cœur. Il peut briser votre chaîne. Il peut vous transformer. Il est le seul qui puisse le faire. Il n'est pas celui qui vient anesthésier votre souffrance. Il est celui qui vient vous en délivrer. Il y a une différence. C'est la délivrance que Jésus apporte. Jésus est celui qui satisfait notre cœur. Jésus est la réponse à tous nos besoins. Aujourd'hui, tout peut changer pour vous, comme ça a changé pour le cœur de cet homme. Saisissez la main de Jésus. Il est un secours. Il est un secours merveilleux dans notre détresse. Jésus vous tend la main et vous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Avez-vous soif d'un changement dans votre cœur? Vous, avez-vous soif? Votre conscience chargée, votre nostalgie de Dieu, votre peur de la mort, avez-vous soif de quelque chose de nouveau? Avez-vous soif de la présence du Seigneur? Jésus vous tend la main et vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28, ah, combien il est bon de pouvoir venir à la personne de Jésus. Venez à moi. Ça, c'est une invitation de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, et Jésus va vous donner le repos dont vous avez besoin. Vous vous rendez compte que les choses en sont au même point depuis peut-être tant d'années. Mais à présent, la question est vitale pour vous. Elle est capitale. Que dois-je faire, dira quelqu'un, pour que ça change? Bien, tout simplement, ce qu'il faut dans votre vie, c'est la personne de Jésus. Crois en lui et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a plus de 2000 ans, il y a une croix qui a été dressée sur le mont du Calvaire. Et Jésus, le Fils de Dieu, fut crucifié sur la croix. Jésus a donné sa vie pour sauver tous les pécheurs, pour nous sauver. Et autour de la croix, où Jésus, notre Sauveur, donne sa vie, il y a des représentants de l'humanité. Il y avait des hommes avec leurs armes. Il y avait des hommes indifférents qui jouaient au dé pendant que Jésus souffrait sur la croix et donnait sa vie pour leur salut. Il y avait des personnes qui se tenaient dans l'éloignement et qui étaient dans les larmes. Mais il y avait également des personnes qui étaient là, des moqueurs, qui se moquaient de la personne de Jésus. Mais par-dessus tout ce monde, qui était là au pied de la croix,
Par-dessus tout ce monde, il y a la croix où Jésus a donné sa vie pour toi. Juste au pied de la croix, c'est important, il y a tout ce monde, mais juste au pied de la croix, le Seigneur nous y invite à nous placer. Il y a toujours une place pour un pécheur, pour une âme repentante, pour un cœur en souffrance. Il y a toujours une place au pied de la croix qui nous est réservée. On peut s'y mettre. Vous pouvez vous y mettre personnellement ce soir. Vous mettre au pied de votre Sauveur. Et cette croix que je vous parle, ce n'est pas un objet. C'est de réaliser combien Jésus vous a aimé. Il vous invite aujourd'hui de vous mettre, de vous courber devant le Fils de Dieu, d'implorer sa grâce et son secours, de lui rappeler toute votre souffrance et de votre misère, de vous mettre là au pied de votre Sauveur, et de pouvoir compter sur sa grâce et son secours en disant « Seigneur, viens me secourir, j'ai fait tant d'efforts jusqu'à maintenant, sans jamais y parvenir, maintenant je tends ma main vers toi, je fixe mes regards sur toi, je m'attends à ta grâce, à ta miséricorde, pardonne mes fautes, mes faiblesses, mes péchés, mais viens changer mon cœur, viens transformer ma vie. Je veux un changement, une transformation totale, un changement total dans ma vie. Et un changement qui ne vient pas de mes méthodes, de la façon de faire, mais un changement, une libération qui vienne de toi. Jésus, viens me libérer. Et vous pourrez chanter avec nous, quel sauveur merveilleux je possède. Jésus a été attaché à la croix pour moi. Et c'est là que le Seigneur vous attend, au pied de la croix, et Jésus vous bénira, vous secourra et vous apportera la libération dont vous avez besoin. Qu'à son nom soit la gloire. Amen. On va prier un instant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et tant de bonté. Ta parole est vivante, elle est d'actualité. Elle s'adresse encore aujourd'hui à chacun d'entre nous. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme les vies, qui brise les liens. Tu es ce sauveur merveilleux qui apporte une solution à tout désespéré. Seigneur, tu nous invites aujourd'hui à fixer nos regards sur toi, à tendre nos mains vers toi et à recevoir la bénédiction dont nous avons besoin. Seigneur, tu connais le cœur de celui qui a besoin de ta grâce. Seigneur, viens à son secours, brise ses liens, libère-le totalement et que ton nom soit glorifié. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Je te donne tout.
Mon cœur est à toi.